Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Starpy Productions. Alors, on a passé le cap des 800 abonnés et pour ça, un grand merci. D'ailleurs, même mon chien va me faire coucou. Je tenais avant cette petite vidéo de Bat Snake World, qui a un an. Félicitations. Ouais. Non, t'es pas. Et pour vous, j'ai réuni à nouveau tous les épisodes de la saison 2 de Bat Snake World. C'est pour ça que je fais cette petite intro, c'est pour vous expliquer un petit peu le processus en général. Lorsque j'ai commencé Bat Snake World, au départ, il n'y avait pas vraiment de direction. Il n'y avait même pas de scénario, en fait. Tiens, c'est étonnant ça, on l'avait pas remarqué, tiens. Mais il y avait quand même des storyboards. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Attends, je vais dégager le micro parce qu'en fait, il n'est même pas branché. C'était juste pour faire style YouTuber, tu vois. Hop, voilà. Il y avait les storyboards et puis tous mes personnages. Hein. D'ailleurs, tout ça, c'est Bat Snake en fait. Hein. Donc là, on a l'épisode de The Rats qui au départ devait s'appeler Avenger et que ça devait rien avoir en fait. Vous retrouverez toute l'actualité concernant Bat Snake sur la page de Starpy Productions. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est con de dire ça à chaque fois, mais faut le dire, il paraît. Du coup, on a la suite qui arrive bientôt. Voilà, hein, tout est écrit par là, hop, il y a des petits post-it, je prends des notes partout. Et puis aussi notre petit carnet, donc ça c'est le petit carnet Bat Snake. Voilà, oui, petit carnet Bat Snake, donc tout ce qui est orange et jaune, c'est que ça a déjà été fait. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'encouragent. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me permettre d'être plus visible sur YouTube. Et puis j'espère que cet épisode vous plaira. À bientôt. Ce programme est présenté par Starpy Productions. Oh, hey. Je comprends mieux maintenant pourquoi le capitaine Rika passait autant de temps sur ce magazine. Oh. Alerte collision. Hey, hey, mais c'est quoi encore ce poussu? Oh la vache! Mais que fait un vaisseau titan dans ce coin reculé de l'univers? Bon bah, je crois que j'ai pas le choix, hein. J'ai été invité de force. Allons voir ce qui se trame à l'intérieur. Bonjour. Vous pourriez répéter, s'il vous plaît? Non mais, vous pouvez répéter en globalien? Ah, oui, excusez-moi. Où est le capitaine Rika? Nous avons scanné votre poubelle galactique et nous n'avons trouvé aucune trace de lui. Ah, eh bien, le capitaine Rika... Où est-il? Il me doit 1000 crédits républicains. Comme je tente de vous le dire... Répondez! Nous vous délierons vos trois langues sous la torture. Garde! Et qu'il souffre. Mais arrêtez, je vous en supplie. Il est mort sur une planète primitive. Arrêtez, laissez-moi tranquille. Ah, merde. J'avais pas branché mon sonotone. We'll be right back.
Bordel. Ah, il s'est passé quoi, là? Putain, c'est quoi ce merdier, encore? Aïe! Ça fait vachement mal, mais c'est quoi cette bestiole à la con, là? Hé! Mais je te connais, toi! C'est ta faute, tout ça, mais je vais te faire ravaler ton ADN ce coup-ci, espèce de lézard de merde! Qu'est-ce que tu baragouines encore, lézard? Et t'es au courant qu'on comprend rien, là? Oula, mais t'as forcé sur les champignons des bois, toi! Tu sais, les gros rouges avec des petits points blancs! Oh! Mais qu'est-ce que... T'es encore avec moi, là? Hé! Hey Eh oh, réveille-toi! Là, je vais voir s'il respire. Non, j'entends pas son souffle, je crois qu'il nous a quittés. Bon, au moins le repas de ce soir est déjà prêt. Vas-y, tousse-le, et c'est toi que je bouffe en premier, ok? Hein? Moi, j'entends encore des voix, moi, c'est ça? Bah, pourtant, j'ai pas fumé ce matin. C'est moi qui te parle. Je m'appelle Rudy. Je suis un Vénitien de deuxième génération. Et c'est pas pour habitude de partager ma nourriture avec les insectes. Oh. Bon bah j'ai plus qu'à me casser de là, moi. En plus c'est ouvert. Ah mais t'es trop con, sérieusement, mais tu sors de quelle planète, toi? Mais quoi? Hé! Arrête, je peux plus bouger. Il est trop con, ce type. Ah, je l'adore. J'avais pas rigolé comme ça depuis la traversée des champs de brume de Bjornok. Ouais, et bah tu payes rien pour attendre l'insecte. Ben voilà, ça tombe bien que tu sois là. Il y a un problème dans les cellules des quartiers des clandestins et des meurtriers. Un problème, patron? Bah oui, c'est ce que je viens de dire. C'est ce que vous venez de dire, patron. Ferme ta gueule et va tout de suite vérifier avant que je ne t'envoie sur la planète Badou. Oh non, chef, pas la planète Badou, tout, mais pas ça, s'il vous plaît. T'es encore là? Bouge tes tentacules! Bouge-toi vite! Bad Snake. Mais qu'est-ce que t'es nul, tu mourras jamais, espèce d'insecte. Oh, tu vas voir, tu payes rien pour attendre. Il est passé où? Tu mourras pas trop gros, hein. Hey, bon sang, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi tout ce boucan que vous faites? Hein? Oh, tu parles du bruit que tu vas faire quand je vais te bouffer les tentacules? Et t'as dit quoi, le macaque, là? Et t'en penses quoi, toi? Je suis sûr qu'avec des champignons, c'est bon le poulpe, non? Ha ha, je pense que je suis assez d'accord avec toi, le cafard. Ça va pas se passer comme ça, tu vas voir, je vais te faire regretter tes mots. Allez, apprends. T'avais raison, il était un peu fade, hein. Oh, le prochain tu me le laisses, hein, d'accord? D'accord, comme tu voudras, mon petit père, hein. Bon, c'est pas tout, hein, mais on a assez traîné dans les parages. Sortons de là. Les oiseaux express, j'ai un colis d'huile pour monsieur Philippe Maurice. Hey, attention mec, des gardes qui arrivent vers nous. T'inquiète, je gère. Hey, vous, arrêtez-vous. Merde, hey, là, c'est quoi la suite? Aucune idée mec. Tiens, fais ça. Ok, monsieur.
Hey mec, tu peux me libérer? T'as l'air cool toi. Moi? T'as l'air sympa, je vais t'aider. Je vais te sortir de là, gamin. Oh, merci mec, je te revaudrai ça. À plus. Oh bordel, il est grand ce bâtiment là. Hé, salut toi. Non, t'approche pas, c'est une horde, il va te dévorer. Bah, c'est plutôt moi qui vais dévorer la petite là. Oh bordel. Ok, on va aller plus loin. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as plus faim? Arrête de te payer ma tronche. Tiens, une porte là, juste sur la droite, et c'est celle-là. J'ai un colis au nom de Michael Jackson. Un colis au nom de Michael Jackson. Eh, c'est curieux, eh. Tu leur as dit quoi? Rien en fait, c'est l'estomac. Oh, j'ai trop la dalle, bordel. Eh, ne traînons pas ici, bouge ta carcasse. Attention, mon bab. Il y a un hangar avec mon vaisseau, pas loin. Allez, dépêche-toi, là. Mon vaisseau est juste devant. Moi, je crois qu'on va avoir un léger problème, là. Hein? Mais je vois pas de quoi tu parles, il est très bien, il est fonctionnel, ce vaisseau. Il est décapotable, il détire. Non, mais je vais pas rentrer, tu vois bien le problème. Ah, tu pourrais pas mieux dire. Tiens, regarde en face. Voilà pourquoi ma première évasion a loupé. Soldats, en avant! Et vous allez où comme ça, hein? Oh bordel, il y en a encore combien comme ça? Oh bordel! Oh, je l'aimais bien, hein, c'est dommage. Bon bah, tant pis. Oh, rigole-moi, là, les lézards, hein? Et plus résistant que ce que se pensait le cafard. Bon, allez, on se casse. Oh, bordel! Oh, ah, ça pue là-dedans! Oh, ah, mais... Hey, c'est quoi ce truc-là? Hein? Ben ça alors! Eh, tu m'étonnes de plus en plus, mon gars! Mais on n'a plus de vaisseau maintenant! Suis-moi! On t'en trouvera un peut-être dans le hangar là-bas! Tu sais piloter ce machin, toi? Le mec, il sait même pas piloter! T'inquiète pas, ce machin, il a un pilote automatique! Et moi, le pilote automatique, ça me connaît, mon pote! Je frappe les coordonnées de ta planète et tu seras bientôt arrivé. C'est parti, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxon. Alors appuie sur son pignon. Oh, encore une évasion. C'est la quatrième en 3 jours. Je vais peut-être former le personnel à force. Eh, hey, merci Rudy de m'avoir ramené chez moi. À la prochaine, hein. Il était petit. Mais qu'est-ce qui peut être énervant? Hé, hey, gamine, prépare-moi une pipe, je suis rentré. Un de ces quatre, il faudra que tu m'apprennes à faire du feu. Oh, docteur, mais c'est quoi le délire encore? On peut pas être tranquille? Moi, je veux juste fumer ma pipe, bordel, c'est pas possible, ça. Bon, va falloir que je descende régler cette histoire encore. Tremblement de terre! Oh là là, mais j'ai peur! Hein? C'est plutôt étrange comme tremblement de terre, je vais pas faire de mon jeu plutôt! Eh, dis, Bad, viens voir ça! Oh, mais qu'est-ce que. Regarde, j'ai un type en bas, Bad! On dirait qu'il est en train d'essayer de couper notre arbre! Mais il est complètement taré celui-là! Eh, faut faire quelque chose, faut l'arrêter, tu peux faire quoi toi, Bad? Ah! Oh putain, j'aurais pas dû lui demander! Ah!
Hé, toi là, tu vas venir avec nous, hein? Il est hors de question que je vous suive quelque part. Mais qu'est-ce que tu dis là? C'est la fille là qui vient avec nous. Toi, t'es beaucoup trop vilain. C'est vrai. Oh, oh, doucement, qu'est-ce que t'as dit là? Il a dit que tu ressembles à un singe. Hein? Non, non, mais pas ça, l'autre truc là. On a qu'à les prendre tous les deux. Eh non, mais vous faites quoi là? Je vous interdis de la toucher, c'est clair? Allez, dépêchez-vous, embarquez-moi tout ça. Pourquoi? Tu veux ramener les singes? Ou pour la nourrir la bête avec? Pas dit qu'elle veuille, hein. C'est elle qui choisira. C'est notre chaman qui va être content. Le ramener de la chair fraîche. Sans oublier la bête, hein. Il est temps de nourrir la bête. Bon. Oh, où est-ce que j'ai atterri, bordel? Ah, les cons, ils ont même pensé à me nourrir. Bon, une fois que j'aurai mangé ce truc, je vais sortir de là et je vais tous me les faire, tu vas voir. C'est trop bon. Moi, ça fait du bien. Oh putain, mais c'est quoi ce truc là? Ah, mais c'était ta bouffe, mais fallait le dire plus tôt. Tiens, vas-y, je te le rends. Pas de problème avec toi. Et tiens, petit bonhomme. Oh putain, je crois que je l'ai énervé là. Allez, tout doux, t'as l'air d'être un bon gars. Tu vas pas me bouffer quand même, hein? Bon bah, puisque tu le prends comme ça, je vais pas avoir le choix, je vais te dégommer aussi. Tu vas voir ce que tu vas voir, mon petit gaillard. Moi, c'est Bad Snake, et tu vas le sentir passer. Tiens, prends ça. Oh. Mais c'est qu'il aurait failli me cramer, lui, là. Oh mon coco, tu vas pas t'en tirer comme ça, je te le dis. Et hop, c'est parti. Bon, il était pas mauvais ce petit dragon. Va falloir que je sorte de là, moi. Vous avez accompli une mission importante aujourd'hui. Notre tribu devra déverser la semence divine dans la Vierge Blonde et ainsi apaiser la bête. Tous les hommes vont danser puis mettre leur sexe en sacrifice. Attrapez-moi ce singe. Je vous interdis de la toucher, c'est clair. Ah, Bad, je savais que tu viendrais. Hey, ils voulaient tous me violer, hein. Allez, Dave, ne faites pas de quartier. Allez, c'est parti. Je vous interdis de la toucher, c'est clair. Ah, allez, approchez si vous osez. Qui sera le prochain? Balancer tout à l'heure, hein? Hein? Ah, ouais. Hé, c'est quoi ce truc-là? Ah, mais vas-y, c'est ma chouchou. Wow, wow. Wow, wow, wow. Vous m'avez sauvé la vie, moi c'est Timmy. Non mais vas-y, faut pas te gêner là, on rentre chez les gens comme ça maintenant. Hé, mais je suis où? Toi tu vas parler, c'est moi qui te le dis.
programme est présenté par Starpy Productions.